L'honneur est pour moi de vous retrouver encore une fois dans le cadre du magazine Info Initiative qui voit autrement la RDC. Mesdames et messieurs, bienvenue. Le bureau du représentant personnel du chef de l'État en charge de la lutte contre les violences sexuelles et le recrutement des enfants, le ministère du Plan et le ministère du Genre, Femmes, Familles et Enfants étaient en atelier du 26 au 27 janvier au Salon Bleu de l'immeuble du gouvernement. Objectif de la rencontre, établir de statistiques fiables pour la RDC dans les domaines de la lutte contre les violations sexuelles. Suivez. Viols nombreux en RDC. RDC, capitale mondiale de viol. 30 femmes violées toutes les heures. C'est pour abolir de façon systématique et scientifique tous ces passifs non démontrés que le ministère du Plan, l'UNFPA, ministère du Genre, Femmes, Familles et Enfants, ainsi que le bureau du représentant personnel du chef de l'État en charge de lutte contre les violences sexuelles et recrutement des enfants, ont décidé de joindre leurs efforts pour établir un outil statistique en matière du viol. Ceci permettra à la RDC de disposer de statistiques fiables et cohérentes sur ces fléaux. Même la raison d'être de cet atelier dont le coup d'envoi a été lancé ce 26 janvier au Salon Bleu de l'immeuble du gouvernement par le représentant du UNFPN. À l'occasion de cette cérémonie d'ouverture de l'atelier national sur les statistiques relatives aux violences sexuelles à RDC, je tiens en premier lieu à féliciter Madame la représentante personnelle du chef de l'État en matière de lutte contre la violence sexuelle et le recrutement des enfants pour l'organisation de cet atelier. Le Fonds des Nations Unies est engagé, conformément à son mandat, à appuyer toute intervention visant à éliminer ce type de violence. À cette occasion, j'aimerais aussi saluer le progrès réalisé contre les violences sexuelles ici en RDC, notamment la création d'un cadre juridique contre les violences sexuelles. Je fais allusion précisément aux lois contre les violences sexuelles de juillet 2006. L'objectif principal de ce travail est de procéder aux collectes de données sur les violences sexuelles et basées sur le genre et y apporter un appui statistique. En effet, face à la divergence des statistiques sur les viols en RDC, face aussi à une répétition de narratifs et de conversations péjoratives qui a longtemps caricaturé la RDC face à ce fléau, à savoir la RDC capitale du viol ou, par exemple, sur Internet, où on nous dit que 30 femmes sont violées toutes les heures en RDC, il s'est avéré important d'aborder de façon systématique et scientifique tous ces passifs non démontrés. C'est la raison pour laquelle le ministère du Plan, l'UNFPA, le ministère de la Femme, Famille et Enfants, ainsi que le bureau du représentant personnel du chef de l'État, ont décidé de joindre leurs efforts pour disposer d'un outil statistique fiable, harmonisé pour la quantification des cas de violences sexuelles en RDC. Cette rencontre a bénéficié de l'assistance technique du ministère du Plan à travers l'Institut national de la statistique, INES. Cet atelier, rappelons-le, vise principalement l'harmonisation des méthodologies de collecte des données sur les violences sexuelles et la réflexion sur les systèmes adéquats de consolidation de ces données en vue de leur publication officielle par l'Institut national de la statistique, l'INS. Le gouvernement de la République démocratique du Congo encourage la normalisation de la production et des publications des statistiques sur les violences sexuelles afin de mettre un terme à toute production non validée et dont la méthodologie n'est partagée ni avec les principaux producteurs sectoriels ni avec l'Institut national de la statistique. Seule structure nationale officielle habilitée à publier les statistiques
en République démocratique du Congo. Le bureau du représentant personnel du chef de l'État a particulièrement piloté l'atelier préparatoire pour la finalisation de ces assises capitales qui ont permis de disposer de données autorisées et scientifiques sur ces fléaux en RDC. L'agence de presse Congo Réforme totalise 10 ans d'existence. Un anniversaire fêté avec FAST le 28 janvier à Fatima. Une occasion mise à profit par le directeur général de ces miroirs de la presse congolaise pour présenter ses avantages. Suivez. Une occasion pour Oscar Bissimouin de brosser les parcours ayant abouti la création de l'agence de communication et presse Congo Réforme. Présenté à 3 versions, Congo Réforme est un journal écrit, magazine télévisé et un site internet aujourd'hui opérationnel. Le tout pour accompagner les réformes en République démocratique du Congo. Ce journal était le fruit d'une réflexion, née d'une étude de l'espace communicationnel congolais. Née d'une étude, si pas d'une sorte de thérapeutique de la République démocratique du Congo. Le président de la République, comme toutes les institutions de la République, s'emploie à faire de la RDC un pays émergent. Mais aucune émergence n'est possible sans la communication. Car en effet, mesdames et messieurs, je le disais lors d'une conférence au Zimbabwe, de la même manière que la force du nucléaire était la clé du développement ou du pouvoir pendant la guerre froide, la force de la communication sera la clé du pouvoir pendant le 21e siècle. Et je crois que vous êtes en train de vous en rendre compte avec l'évolution de la situation. Les avantages qu'offre Congo Réforme sont de divers ordres. D'avoir votre espace personnalisé à travers le site, et nous annonçons le lancement des nouvelles émissions télévisées pour faire enfin de Congo Réforme ce que nous appelons la première agence triple avantage en République démocratique. Nous avons eu l'avantage d'être bien compris. Nous avons été bien compris par les institutions de la République, les institutions qui ont compris qu'il fallait qu'il y ait un média qui communique sur les réformes entreprises par la RDC, par le pays. Le Parlement, le gouvernement, le président de la République, les cours et tribunaux, tous ont compris qu'il fallait nécessairement qu'il y ait une institution ou un journal qui puisse communiquer sur les réformes. Les informations contenues dans Congo Réforme sont l'émanation d'un groupe de professionnels. Cliquez sur www.congoreforme.net et lisez l'hebdo Congo Réforme chaque semaine dans vos kiosques. Mission accomplie pour Midema, le client vendeur de pain de la boulangerie Loufgaz sur le rond-point Capella dans la commune de Kalamu, sensibilisée aux bienfaits de la farine Midema. Suivez. Il est conseillé aux femmes enceintes, aux enfants anémiques et autres de consommer le pain fabriqué à base de la farine fortifiée Midema. C'est la substance du message apporté à ces femmes clientes de la boulangerie Loufgaz de Capella dans la commune de Kalamu. Raison, l'armature en fer et en acide folique de la farine Midema constitue ce dont la santé a besoin. Les sont assimilés parfaitement par les boulangers, Loufgaz et par les vendeurs de ce pain. Il faut tout expliquer pour Batou, OEP Bazo, Bazali Banda, va comprendre la réalité et la qualité à Midema. Premièrement, Pati Nango, ce qui est Pati, d'ailleurs, ce qui est Nango, il y a un zoom, il y a un monde qui est et sa qualité est appréciée. Il y a Kosomba Midema, Kosali Nango, Penzana Boulangerie. Deuxièmement, ce qui est Beti Pati Nango, tiens, on a mis ça. En tout cas, ce qui est Landel, on a un principe Nango. Au moins, la qualité, Oyo, Yozo, on a mis ça. Donc, ce qui est Simbia, on a un peu comme on a un donc on dirait, hein, et là, donc, Pati Moko, ça bien. Il y a un des autres, ça, la qualité, Oyo, et bima, Ndengezaboué. Il y a un étin de Bissoto Kangamana, Midema. De ce qui précède, le technicien ambulant de la Midema insiste sur la qualité de leur marque colorée et croustillante. Donc, lorsqu'on parle de la qualité de la farine en RDC, c'est la Midema.
Et puis comme nous sommes dans une nouvelle année qui nous promet déjà bien, et nous avons opté pour une nouvelle dimension de travail. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes dans cette boulangerie Loufgas pour voir les rendements de leur travail par rapport à notre farine. À dire vrai, cette farine est-elle réellement fortifiée? Je me demande à ce ticaté pour aider la population sur les plans nutritifs na combattre notre lobby, faire na acide folique na kati ya farine à biso et on appelle salamaki en collaboration avec le gouvernement. Parce que tu visais que la population congolaise, chaque temps, va mélarati. Et il y a des fois même après-midi, pourquoi va mélarati, va consommer pas ming. Et on a directement pensé à ce que tout ça, acide folique, n'a fait dans la carte à faire de compte qu'ils ont pu consommer plus. Pourquoi cela? Pour qu'on a beaucoup plus qu'on évite, c'est que ma maladie aux alliés, ming, ils ont appris à maman Zemi, na maladie aux alliés, na diminution maquilla, tout bien en maladie anémique, il y a la diminution de la globule rouge. Diminution à hémoglobine, na ba hématocrite. Oh bah je pense que mes cellules bien bien rôle non ma casse n'a qu'à maintenir les alarmes. Diminution à mon plus à moins carence, il y a croissance, capacité intellectuelle les a réduit. Raison pour laquelle pour la relité na ba genre maladie wana on a ajouté na qu'à farine na biso fer na acide folique. Midema une longueur d'avance. Massamba Yesse, député honoraire et président national du Rassemblement de Nationalistes pour la Paix et la Liberté, parti politique membre de la majorité, soutient le dialogue à venir. Il donne ici l'essence. Regardez. Le dialogue sur le plan de la politique pire, lorsqu'il y a un problème. Mais les opposants ne reconnaissent pas qu'ils avaient demandé le dialogue. Les écrits sont là. C'est eux qui avaient demandé. Le dialogue, c'est leur création. Ils avaient demandé le dialogue parce qu'ils avaient trouvé qu'il y avait un problème. Lequel, je ne sais pas bien appréhender ces problèmes-là. Mais moi, j'estime que nos frères de l'opposition, à chaque fois qu'ils demandent une rencontre, un dialogue ou quoi, une rencontre quelconque, c'est pour prendre le pouvoir par la force. Je vois ici tout le monde courir vers les États-Unis, vers l'Europe, mais les faits, le Congo est un fait de Dieu et de nos ancêtres. Les Américains n'ont pas créé le Congo. Les Belges n'ont pas créé le Congo. Je connais l'organisateur du dialogue, l'autorité morale de ma famille politique, le soldat du peuple, pour ne pas les citer, Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo, je le connais personnellement bien, c'est un homme de dialogue. À une réunion à Kingakati, nous, chefs de partis politiques, nous avons demandé au président, mais pourquoi vous voulez aller aux consultations à l'époque, hein? C'était deux semaines avant les consultations. Le président dira, je vais aller aux consultations pour retrouver l'amour de mes frères congolais. Donc, le dialogue sauvera le pays pour que nous puissions atteindre les élections d'ici quelques mois dans l'amour des uns et des autres. Parce que si nous n'avons pas l'amour aux élections, il y aura conflit, il y aura confrontation présidentielle. Et ce n'est qu'une partie du corps, de l'ensemble du corps qui s'appelle majorité présidentielle. Je crois que nous sommes prêts, malgré le fait que pour la candidature des députés provinciaux, je n'ai pas eu assez de moyens financièrement par là. J'avais aligné une centaine en centaine, 200 candidats. Je n'ai pu, à cause de manque de moyens, aligner que deux ou trois candidats. Ouais, donc je suis prêt. Qu'en pense l'opinion au public du dialogue politique? Plusieurs personnes interrogées dans les go à ces assises, si seulement si les sociales de Congolais seraient inscrits à l'ordre du jour. Le dialogue politique n'est qu'un moyen pour trouver une solution aux problèmes qui rongent les pays en cette période électorale. Parmi les points essentiels qui seront abordés, comme l'a dit le chef de l'État tout récemment, la sécurité des élections, financement de celles-ci, les calendriers électoraux globaux et autres. La population souhaite que ces forums se tiennent à condition d'inscrire les sociales dans les canevas. Une opinion
tient au respect de la Constitution. Le chef de l'État est obligé de se soumettre car la Constitution elle-même dit nul est au-dessus de la loi. Bon, en fait, n'a pas un dialogue, vous en êtes. Il y a un d'abord ma B. Par rapport à quoi? Le chef de l'État s'allie plus ou moins 10 ans ou 15 ans comme ça. Et à mon avis, déjà, il y a un mandat qui est comme il y a vers Souk. Faire bien un dialogue. On a sali 3 ans, on a sali 4 ans. 5e année, on a 6 ans, mais ça ne va pas. Tout sous la comment, on a mangé les cabines. Mais chef, comme il y a un chef de l'État, comme il y a un souka, mandat des États vers fin, il y a 11 mois plus ou moins. On a un dialogue, on a sali, on ne sait pas. Et là, on a proposé, on a dit, on a fait un dialogue, on a dit. Pour dialoguer, c'est bon. Pour dialoguer, c'est bon, mais pour nous appeler un dialogue, on a une importance. Parce que. Et ça pas obligatoire de faire ça. Pour la nuit, à chaque fois, il faut que tu aies un dialogue. Il faut que tu aies un dialogue, tu aies chanté un peu. Obama parle long. Pourquoi Obama a un dialogue? Pourquoi Obama a un dialogue? Je suis présent, je suis là, je suis un dialogue pour la nuit. Car, avant mon temps, il faut que tu aies un dialogue. Est-ce que le dialogue est pour toi, pour ça, changement? Toi, pour ça, il faut respecter la constitution. Est-ce que le dialogue est là? La constitution. Et Zali, avant présent, a quitté pour attirer la bataille. Des fois, il faut changer, il faut changer aussi. D'autres pensent que le dialogue est très important pour traiter des questions liées à la marche de la nation. Mais pour le dialogue, on a beaucoup dialogue avec Zali Manango. Mais, bah, penser à la moka, à la vie sociale, à la là. On va s'en bien. Pour la vie sociale, les gens ont bien. Nous devons participer à ce dialogue parce que le président de la République a eu une initiative à bien Yakusangsa. Non seulement homme politique, même si nous aussi les jeunes à contribuer parce qu'il y a un dialogue de Sikande Tokozoa, compromis moro est bien, résultat moro est bien, et vous allez la destination. Les jours à venir nous réservent à coup sûr des surprises. La grossesse pendant les fiançailles est une interdiction formelle dans certaines coutumes et religions. Faut-il célébrer le mariage dans le cas où cet interdit venait à être violé? Suivez plutôt ces éléments. Attraper une grossesse pendant les préparatifs de son mariage est un phénomène à conjuguer par le fiancé. Selon les avis des filles fiancées, l'acte réduit sa personnalité et baisse les chances de réunir ses noces pour se voir appelés jeunes mariés. Parce qu'avant le mariage, vous n'êtes pas encore la famille, par exemple, vous n'êtes pas encore présenté à la famille et par exemple, et la femme est par exemple chez eux et puis. Les rendre sains et les rendre mères, par exemple, c'est pas bon. Quand on est de prendre un arrangement, il y a un bon nez. Les avions, mais je ne sais pas comme un bon banana. À cause d'un zébi, un bon binaï, parce que pas pour ébattre, mais après mariage, je vais se retrouver quand je vais se retrouver directement qui moi, c'est à bout de main. Je vais te calculer parce que normalement, grossesse, c'est une mère. Le quota là, juste le mariage, même pas 9 mois, mais assez mais abouti déjà. Donc ça ne va pas. À cette analyse s'est joint l'humiliation dès lors que la future mariée accepte la grossesse avant la cérémonie même de mariage. La grossesse est à tout prix à éviter. Ils peuvent le bénir, mais ça dépend de leur religion. L'église, beaucoup de forêts passées, pas à l'encourant. Mais comme ça, il y a ma famille. Donc moi, ça va ainsi, mais bon, ça ne va pas. Déjà, ça dépend. Les futurs mariés sont ainsi priés à s'accorder sur la discipline à adopter avant les mariages.
bénir le mariage dont la fille est tombée grosse pendant les préparatifs est-il permis? Écoutez ce point de vue d'un homme de Dieu. Le mariage est une invention, il y a une savanté, il y a une organisation, il y a une batouté, mais il y a une institution divine. Zambende a sali moisipe mobali. Zambende a bandi libala. C'est ça le mariage. Et le mariage débute le jour où moi si na mobali bakutani mobali a dit si moi si que je t'aime. Moi si a répondre na lingio. Libale bandi wana ou etikali ezaba procédure pour na koluka honorer yango ndenge. Toza na Genèse chapitre 1, verset na yango 27 à 28. Bible le dit, Dieu créa l'homme à son image, il créa l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, c'est-à-dire le mariage et bandiwa. Maintenant, à 28, le dit, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds. C'est-à-dire, c'est la bénédiction qui est avant la fécondité. Il faut d'abord mutoyer bakenzamba pambula ki mwesina mobali avant même les rapports sexuels. C'est-à-dire bénir le mariage oyo mwasi aza déjà na zemi eza contrairement na we komami parce que nzamba pambola ki avant que bazala mwasi na mobali baye ba nzoto. Bible lobi na Hébreux chapitre 13 na verset nango 4 que le mariage soit honoré de tous. C'est-à-dire le premier à honorer c'est Dieu, l'instituteur du mariage. Il faut honorer Dieu, respecter ce que Dieu recommande aux mariés. C'est-à-dire, basala en ordre vis-à-vis na famille, vis-à-vis na l'État, vis-à-vis na l'Église. Ceux qui bande ko ba mona ke ba ko kai ko se supporter te, ba si ba ko ina mbeba vis-à-vis na Nzambe. Ba ko mo sale la siko soni na bango ke photo ba te la soni, ba yo ka biso te. Ceux qui ba ke na l'Église, po ete ba pambola bango, ba ke iko zo bénédiction te, dou ba ke ko zo malédiction parce que ba respecter bon Nzambe te. À ce cas-là, baza la bato ba se contenté na lolenge wana ba boti mais baza en ordre ba si ba balani nzambe pa yebi ke libala wana ba si ba balani mais ba sala hypocrisie. Le quartier Lemba Village a Makala plongé dans le noir depuis plusieurs mois déjà. Les habitants de ce coin de la capitale se disent floués quand la SNEL continue à bombarder le quotidien, les factures non consommées. Regardez. Au quartier Lemba Village à Makala, l'obscurité se mêle à l'insécurité. L'électricité est une denrée rare malgré ses conséquences incalculables sur la vie des citoyens. Malgré ces nombreuses plaintes, des habitants de ces quartiers auprès des autorités a rien à changer. À cet état des choses s'ajoutent les factures régulières et exorbitantes de la SNEL. Peut-être tout le monde est là pour la semaine. Mais tous les jours, toujours les factures. Alors, il y a un toujours déploré dans les campagnes de courant. Je conduis même à l'écran de la campagne de courant. Surtout dans la commune de Makala. Donc, toujours foutre en bongo, mais courant toujours utilisé. Si toujours le banini, donc l'État a toujours dit, bah, bisso peuple. Alors, toujours, ouais, pinamboko. En tout cas, la facture est moins chère. La facture est chère, elle est 7500, 8500. Mais toujours foutre. Si quand il y a un côté là-bas, quand il y a SNL, la table, ok, kuna, bon, ça suit, moi, il y a bien. Un véritable malaise auquel la population de Lemba Village s'est dit désabusée. Et s'interroger sur quel saint c'est voué. Depuis janvier, tout le courant, tout le monde a raté. Le match est sur les canards, tout le monde a raté. Tu as évité ce qui est abattu. Et ce n'est pas le gouvernement qui est abattu. Et fort, tu as raté. Tu as raté. Tu as raté. Tu as courant est raté. Le gouvernement, tout comme la SNEL, au banc des acquisés. Chacun sait qui le concerne devrait apporter une solution au problème récurrent de l'électricité à Kinshasa. Les femmes terribles de la mission de réparation de brèches rendez-vous respecté avec leur créateur. Lundi 25 janvier dernier, sous le thème « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur », l'église Beth Shalom de Kambi numéro 10 à Massina quartier 3 a connu une ambiance toute particulière du ciel. Vivez-la vous-même. Déterminés à adorer Dieu, malgré la pluie, ses servantes de l'Éternel ont répondu présentes à cette première rencontre annuelle de femmes terribles
international de la mission de réparation de brèche de l'église de Beth Shalom. 16 heures, mise en place terminée. La modératrice de la soirée s'emploie à réguler la rencontre selon le prescrit de Saintes Écritures. La chorale de maman se mêle à la louange et au chant d'adoration, créant ainsi l'ambiance céleste. Placé sous le thème « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur », la prière avait un secret, comme indique la servante des dieux, Marie-Claire Kebo, présidente de Femmes Terribles. Désormais, prenez ce rendez-vous à Noël. Aujourd'hui, c'était la première rencontre des femmes terribles. Les femmes terribles sont des femmes qui étonnent, comme on les dit, les femmes terribles. Alors, par rapport à la nouvelle structure, les femmes terribles se réunissent chaque fin du mois, chaque lundi de la fin du mois. Prochainement, on va se réunir le 29 février. Alors, nous invitons toutes les couches sociales des mamans. Les mamans députées, les mamans sénateurs, les mamans intellectuelles, les mamans maraîchères. Vraiment, toutes elles ont besoin de la parole que nous, nous écoutons en ces lieux. Parce que c'est une parole qui délivre, qui guérit, qui fait épanouir, qui fait sortir quelqu'un dans l'anonymat. Alors peut-être il y en a qui disent que non, moi je suis ceci, je suis cela. Non, au-delà de tout ce que nous sommes, nous devons ajouter la parole de Dieu. Retrouvez le femme terrible sur Kambi au numéro 10 au quartier 3 à Massina. Femme terrible, femme intelligente. Alors, c'est déjà la fin de cette série d'actualités. Merci de votre aimable attention. Merci également à toute l'équipe d'Info Initiative, à mon pasteur apôtre Béni Moké ainsi qu'au pasteur Bova. Retrouvez José Mouyaya à la présentation la semaine prochaine. Inch'Allah.